Il y a des femmes avec lesquelles on couche, le lendemain, tu as tous les problèmes du monde. Les hommes, c'est des âmes assez faibles en matière de sexe. On éduque l'enfant sur tous les plans, sauf le volet sexuel. Qu'est-ce qui pousse les hommes à être infidèles? Voilà la question à laquelle la coach Mada Sangaré, coach matrimonial et chef d'entreprise, va répondre dans cette vidéo. Il est fort probable qu'au sortir de cette vidéo, tu puisses faire partie de ceux-là qui vont beaucoup apprécier la coach Mada Sangaré ou alors beaucoup la détester. Mais peu importe, le but de cette vidéo, c'est de partager avec toi le message de Mada Sangaré qui, à mon sens, est un message que tout le monde devrait entendre. Dans cette vidéo, il sera question d'éducation sexuelle, de discipline sexuelle, mais aussi et surtout de comprendre que la vie de couple se vit à deux. Générique. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, les hommes, c'est des âmes assez faibles en matière de sexe. Des âmes assez faibles en matière de sexe. Il n'y a pas une âme plus faible en matière de sexe que l'homme. L'homme, quand il a ses envies, dans toutes les positions, on peut le rattraper. Dans toutes les positions. Voilà pourquoi souvent, il dit, les femmes trouvent que je m'attarde un peu sur elles par rapport aux hommes. Vous comprenez qu'une femme peut être fidèle pendant des années. Mais c'est trop compliqué quand on le demande à un homme. Quand tu as un époux, tu ne veux pas qu'il se retrouve dans cette situation. Débrouille-toi le maximum possible. Parce que j'ai toujours dit qu'en matière d'infidélité, l'homme est toujours à la porte. Il est toujours à la porte, n'est jamais dans la chambre en matière d'infidélité. Donc débrouille-toi, soit tu le pousses vers la chambre, ou bien à chaque fois quand tu le pousses, dès qu'il a un pied dehors, il est parti. C'est clair. Il y en a d'autres qui sont dans la perversité. Et d'autres sont dans l'obsession. D'autres sont des obsédés sexuels. Ça, c'est une maladie. C'est pour dire, même si tu lui donnes sa fille, il peut coucher avec elle. Et d'autres sont dans la perversité. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu fait, il a envie de découvrir encore le sexe autrement. Toi, la femme, si tu veux, tu te mets sur ta tête pour faire l'amour avec lui, ce n'est pas son problème. Puisque lui, il doit découvrir le sexe dans tous ses sens, mais tu te mets sur ta tête, il va le trouver une qui est sur ses pieds. Tu te mets sur ton bras, il va trouver une qui est sur son dos. Tu te mets sur tes seins, il trouve une qui est sur ses fesses. Donc lui, c'est compliqué, on ne peut pas l'arrêter. Mais tout est une question de base. Vous comprenez que on éduque l'enfant sur tous les plans, sauf le volet sexuel. Très souvent, c'est les filles qu'on a l'habitude d'éduquer sexuellement. Une femme fait pas ci, une femme fait pas ça, une femme fait pas ci. Et très souvent, même on a un langage ordurier qui dit que quand un homme cherche plein de femmes, c'est un gentleman. Mm-hmm. Et quand c'est une femme, c'est une prostituée. Vous comprenez cela comment? Et ça, c'est un langage qui ressort dans la famille tout le temps. Ou quand même, l'enfant, en grandissant, il se rend compte que son père a une femme qui est là et on apprend que son père a fait plein d'enfants avec d'autres femmes là dehors. On rappelle maman, l'enfant, que c'est normal de laisser sa femme à la maison et d'aller faire d'autres enfants dehors. Mais le petit garçon qui grandit, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est normal de laisser sa femme et d'aller faire des enfants dehors, c'est ce que son père lui a appris. C'est une question d'éducation d'abord. Le petit garçon qui naît et qui se rend compte que dans le couple, son père et sa maman ne sont jamais en train de faire palabre parce que maman ne se plaint jamais pour dire « Ben tu vois, papa il a d'autres femmes dehors, il a d'autres enfants dehors, il fait ceci, cela. » Non. Mais quand il grandit dans ce contexte-là, lui-même il se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. L'infidélité de l'homme ne dépend pas de la femme. C'est une question d'éducation et d'éthique morale. Il faut s'autodiscipliner dans la vie. Il faut se donner des objectifs. Tu veux prendre soin de toi-même? Parce que je le dis souvent, les hommes, spirituellement, chaque femme a son aura. Il y a des femmes avec lesquelles on couche, le lendemain, tu as tous les problèmes du monde. Il y a des femmes avec lesquelles tu passes une nuit aujourd'hui, mais tout roule pour toi. Il y a des femmes avec lesquelles, quand tu couches, elles te brisent des étoiles. Et vous savez, l'adultère détruit tout. Tu ne peux pas être dans le sexe, dans le faux et prétendre aspirer à l'élévation. Ce n'est pas possible. Un homme qui sort l'argent de sa poche juste pour entretenir l'adultère ne peut pas être un homme riche à vie. Il le sera juste un petit temps. Pour avoir les honneurs, il faut trop beaucoup s'éloigner de l'adultère. Vous avez remarqué, les grands hommes qui croulent après, c'est rien d'autre quand vous allez chercher. Ils se retrouvent dans les histoires du sexe. Il faut que les hommes comprennent cela. S'ils veulent demeurer
un homme avec des honneurs tout le temps. Ils veulent demeurer, ils veulent protéger leur fortune, ils doivent éviter de les mettre très souvent dans l'adultère. Quand vous voyez les grands hommes, demain ils se retrouvent en tapette, c'est ça. L'argent a plus servi. En quoi ? Les grands hommes qui se retrouvent en tapette. Ah ouais. Ils se retrouvent avec un caleçon, ils ne peuvent même pas le changer. Parce que l'argent, l'argent n'a pas été utile à eux-mêmes. L'argent a plus servi à nourrir l'adultère qu'à servir l'utile. C'est difficile de demeurer riche. L'infidélité d'un homme, comme je l'ai dit, dans la globalité, c'est une question d'éducation. Il faut que les hommes commencent à s'auto-éduquer, à comprendre que toutes les femmes sont les mêmes. Il n'y a pas une qui a trois pieds. Il n'y a pas une qui a les fesses à la place de, je ne sais, de ses seins. Donc, il faut qu'ils apprennent à s'habituer à ce qu'ils ont, à aimer ce qu'ils ont, à protéger ce qu'ils ont et à apprécier ce qu'ils ont. Et à force d'être dehors, ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont à la maison. Mais maintenant, la femme en question, pour en venir au fait, qu'est-ce qu'elle fait, enfin, comment elle réagit lorsqu'elle surprend, parce que on a justement hein, plusieurs femmes qui nous écrivent hein, par rapport à cela, notamment des femmes qui savent déjà que non, mon mari a fait un enfant dehors, mon mari a une maîtresse dehors. Maintenant, une femme comme ça, comment est-ce qu'elle doit agir? Faut qu'elle aille en bagarre, parce que vous savez, il y a des femmes, hein, elles prennent des lames de rasoir, bon, il faut qu'elle aille mettre une plaie sur le visage de la maîtresse, des choses comme ça. Et mais comme tu dis aussi, il y a d'autres maîtresses aussi qui viennent menacer. Mm-hmm. Si la maîtresse de ton mari vient te menacer dans ta maison, tu fais quoi? Tu t'enfuis, tu réagis comment? Non, pose-toi d'abord la question. Est-ce que j'aime mon mari? Oui. Je veux sauvegarder mon couple? Oui. Je me sens bien dans mon couple? Oui. Quand le oui il est dit, tu prends maintenant ton arme. Et l'arme, c'est quoi? C'est la sérénité. La tranquillité, c'est très important. D'abord, il faut te faire un mea culpa. Il est parti dehors. Est-ce parce qu'il est frivole? Ou c'est parce que moi-même, je ne réussis pas à garder ma chose exactement? Il faut se mettre en cause. Avant de faire un scandale dans un couple, il est important de se mettre en cause. Très souvent, moi j'ai un secret. Ton mari te trompe. Tu sais qui est la maîtresse de ton mari. De loin, cherche à savoir qui elle est. Pour en faire quoi? Celle-là aussi coquette comme Lise. Et que moi, je suis une gabroche quelque part. Ben, il y a problème. C'est qu'il y a quelque chose de bon que mon mari part chercher. Il y a quelque chose de bon. Sors-moi de là. Mais Lise, elle s'habille comment? Elle se présente comment? Elle vit comment? Donc, coach, ah oui. Tu demandes à une femme qui sait que son mari la trompe, qu'elle aille découvrir un peu la maîtresse, comment elle est, comment elle cherche s'habille. À savoir dans quel trou il rentre, Lise. Hey. Le trou dans lequel il rentre, si tu te rends compte que ton trou est plus restreint que là-bas, mais tu essaies d'élargir ton trou. Mais tu te mets à te bagarrer, alors que celle d'en face, comme on l'a dit, il y a match. Il y a quelque chose qu'il part chercher là-bas. Mais pose-toi d'abord la question. Au début, j'étais avec mon mari, ça va bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que mes seins se sont trop affaissés? Mais ça, c'est normal. Ce sont nos enfants qui l'ont donné. Mais j'ai le temps de me retrouver un soutien, le maître, quand il arrive. Mais à chaque fois qu'il arrive, tu as le panne sur le corps. Tu tournes dans la maison, c'est toi qui n'es jamais lavé. C'est toi qui as l'odeur de sueur. Mais tu peux faire toute l'année, tu peux même pas t'acheter un caleçon pour le changer, pour faire plaisir. Avant, c'était les nuisettes, mais maintenant, ça se passe en pagne, au milieu du corps. Avant, tu avais tes perles autour du rein, ou bien ta chaîne autour du rein, ça n'existait même plus. Avant, tu t'épilais correctement, mais à peine si tu arrives à te donner ce temps-là. Tes cheveux, à chaque fois qu'on arrive, à peine si tu peux te faire le shampoing, il faut que monsieur dise, mais est-ce qu'il n'y a pas longtemps que tu as vu ta coiffeuse? Parce que tes cheveux sentent. Le lit, quand il vient se coucher, le drap, à peine si on peut le changer. La serviette, si on peut à peine le changer. La chambre sent à peine bien. L'infidélité d'un homme ne doit pas déranger la stabilité d'une femme dans sa vie. L'infidélité d'un homme ne doit pas déranger la piété d'une femme. Toi, tu ne bois pas et il préfère les femmes saoules. Parce que quand elles sont saoules, il a le temps de faire tout ce qu'il veut avec elles, toutes les gymnastiques, tout ça. Tu comprends? Ah non. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux femmes, soyez des femmes fortes, ayez confiance en vous.
Dès le moment, moi personnellement, je me rends compte que je ne me reproche rien. Et que ce gros fou pense qu'il doit aller manger dans toute la poubelle et revenir, mais je ne vais pas l'accompagner à aller bouffer dans la poubelle. Ah non, quand il revient, moi, ma poubelle est toujours nettoyée, c'est il là. Vous savez, les hommes, ils sont pas idiots. Hein. Ils partent faire ça, mais ils savent faire la différence. Hein. Ils ont le discernement. Hein. Ils savent que là, je pars m'amuser, mais c'est là. Comme le dit, il y a des chanteurs en Côte d'Ivoire qu'on appelle Espoir 2000. Ils vont vivre là-bas, mais ils savent qu'ils doivent mourir ici. Mais attends qu'ils reviennent mourir de sa belle mort. Ah non, tu te prends pas la tête. Maintenant, arrivé un certain moment, tu essaies juste de dévier un peu ton attention. Parce que si tu mets trop ton attention sur lui, tu vas te retrouver dans le stress à ne pas en finir, le scandale à ne pas en finir, le bavardage à ne pas en finir. Non, tu regardes le côté où vous pouvez vous rejoindre. Mais seulement, comme je l'ai dit, il faut que tu aies des principes toi-même en tant que femme dans la maison. Le dîner se fait ensemble, qu'il fasse faire ses acrobaties, mais qu'il se débrouille pour être là au dîner. Ne permets pas que ton mari découche comme il veut, quand il veut, s'il n'est pas en mission. Non, ça c'est des principes du foyer. Une femme doit avoir des principes. C'est très important. L'homme ne peut pas sortir quand il veut, rentrer quand il veut. Ce n'est pas possible. Mais ça c'est une femme qui s'impose. Mais oui! Mais souviens-toi que la fois dernière, tu parlais de ces femmes qui sont là juste pour faire des enfants et tout ça. Et la plupart, ce sont des femmes à qui l'on impose un mode de vie. Donc, c'est pas toi qui décides de quoi que ce soit. S'il veut sortir, il sort. S'il veut découcher, il découche. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? J'ai toujours dit que le cabri, il regarde d'abord la maison où il doit rentrer. Oui, c'est qu'il ne peut pas prendre un coup. J'ai toujours dit aux femmes, aimez-vous d'abord avant de chercher à aimer quelqu'un. Il y a des femmes qui sont trop amoureuses de leur mari qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Les hommes ne restent pas dans la monotonie. Ils ne restent pas dans la peuplée. Ils aiment les femmes viriles. Quand ils rentrent dans ce foyer, ils sentent qu'il y a une femme qui vit, qui bat en plein temps. C'est la femme sereine. S'il y a quelque chose que l'homme craint dans sa vie, c'est une femme sereine. Parce qu'il ne sait pas à tout moment à quelle sauce elle peut me manger. Sauce graine. Il ne sait même pas. Parce qu'il s'est dit quoi? Il dit... Je connais ma femme. Elle est gentille, elle est adorable, mais ah, c'est le feu. Mais attends, quand on dit le feu, c'est pas toi-même qui viendra mettre le bois chez toi et puis mettre le feu. Non. Il sait que ça, j'ai mes limites avec cette femme. En tout cas. Mais c'est cela. La femme même doit tout faire pour être cette femme-là, chez elle. Cette femme qui a des principes. Si tu n'as pas de principes et que l'homme pense qu'il peut faire de toi ce qu'il veut, c'est compliqué. De cette vidéo de Mada Sangaré, moi je retiens deux choses. La première chose, c'est que malheureusement encore très souvent dans notre société africaine, on n'éduque pas les hommes, les garçons à la vie sexuelle. Malheureusement, c'est très souvent, ce sont les femmes, les filles qu'on éduque sur ce genre de thématiques. Ce qui fait que les hommes à la longue ont tendance à penser qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. Moi je pense que chaque homme devrait se poser la question de savoir: lorsque je pose tel acte vis-à-vis de ma copine ou de ma femme, parce que ce n'est pas lorsqu'on se marie que l'infidélité commence, c'est déjà lorsqu'on est copain-copine, voilà. Est-ce que si elle reproduisait la même chose vis-à-vis de moi, qu'est-ce que ça me ferait? Oui, parce que avec le temps, je me suis rendu compte que les femmes aussi ont un cœur. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Les femmes aussi ont un cœur et il faudrait que nous les hommes, qu'on ait l'humilité de reconnaître que des actes comme ceux qu'on pose au quotidien peut aussi littéralement détruire des vies. Oui, ça peut littéralement détruire des vies. Et je pense que très souvent, nous les hommes, on nie ce côté-là, on refuse ce côté-là, on se dit non, un homme doit avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 8 femmes, bref. Et c'est vrai, ça fait mal aux femmes, mais elles sont obligées d'apprendre à vivre avec. Alors que je trouve que quand on se met avec quelqu'un, c'est que quelque part, on s'engage aussi à être le responsable de son bien-être. Et qui dit bien-être dit forcément ne pas être infidèle parce qu'on sait que ça va la blesser. Maintenant, la deuxième chose que moi j'aimerais, sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, et si tu veux m'adresser aux femmes, c'est que malheureusement encore, beaucoup de femmes, j'ai remarqué, quand tu les croises, quand elles sont encore la fleur de l'âge, quand elles ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, elles prennent soin d'elles, elles sont fraîches et tout. Et il se trouve qu'une fois qu'il y a le mariage, une fois qu'elles sentent qu'elles sont avec leurs amis à la maison, eh bien, ça devient un laisser-aller total. On mange n'importe comment, on prend le poids n'importe comment. Et après, en fait, à un moment donné, tu ne reconnais même plus la personne avec qui tu t'es mis. Je trouve que, bon, certaines femmes peuvent trouver ce que je dis choquant, mais je suis en train de dire tout haut ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas. Nous, les hommes, nous sommes très visuels.
hyper visuel. Et les femmes ne vont pas le nier, elles le savent. Les femmes savent que les hommes sont visuels parce que beaucoup de femmes en jouent beaucoup aussi. Donc il faudrait que une femme sache que aucun homme n'est pris pour acquis. C'est ce que je dis, c'est valable aussi pour les hommes, hein. Mais là je m'adresse aux femmes. Aucun homme n'est pris pour acquis. Donc même dans le foyer, il faudrait qu'une femme continue de s'entretenir. Qu'elle puisse entretenir cette flamme-là qui a permis déjà que l'homme s'attache à elle. Qu'elle puisse au fil du temps, comme Madame Sangaré dit, tu ne peux pas dire que quand moi j'étais connue, tu prenais soin de toi, tu t'habillais bien, tu mettais le parfum et tout. Mais une fois que on est marié, on est à la même maison, ben ça devient le pain toute la journée. De ma personne. Voilà les deux petits messages que moi j'ai pu retenir de son intervention. Je vais préciser ici que ce samedi 18 décembre 2021, coach Mada Sangaré donne une conférence, une masterclass exceptionnelle sur comment gérer l'infidélité d'un homme. On a choisi de parler de ce thème parce qu'on s'est rendu compte très souvent ce sont les femmes qui se plaignent du fait que les hommes sont infidèles. Donc pour cette masterclass, Mada Sangaré te donnera les clés pour gérer l'infidélité d'un homme. Est-ce qu'il faut se séparer? Est-ce qu'il faut voir comment continuer ensemble? Bref, tu auras une réponse avisée d'une femme qui a de l'expérience sur le sujet. Donc, pour réserver rapidement ta place, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en description ou à contacter le numéro que ça fait juste en dessous de cet écran. Et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nina Kano. Bonjour chers toutes, bonjour chers tous. Je suis coach Mada Sangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement non des moindres. Oui, un masterclass. Oui, une conférence de très haut niveau. Ce samedi 18 décembre, à partir de 14h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence au Zoom sur le thème « Comment gérer l'infidélité d'un homme ». D'accord ? Avec seulement 50€, on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fléau qui commence à miner nos foyers. D'accord ? Samedi 18 décembre, heure 14h. Conférence de 2h30. C'est pas grand chose. On y va alors. Vous avez le lien ? Inscrivez-vous et puis ben voilà, on se retrouve.